Leila, thank you. Thank you very much. We now have time for some questions. Can I start with a couple of questions? First of all, to Mr. Soccer. I'm fascinated by what you said about your country. I wonder how much collective and collaborative effort there is across Africa to deal with the practical problems raised by these issues. How much are countries working together to produce the sort of green defense that you talked about? Because clearly, you can't protect the environment in one country alone. Oui, merci pour la allô? Oui, merci pour la question. Comment nous coopérons pour assurer cette mission de défense verte? Il faut d'abord dire que la défense verte est une impulsion des plus hautes autorités de l'État. Et à cela, il y a une organisation qui s'est mise en place parce que les militaires ne sont pas particulièrement des spécialistes de la forêt. Il y a donc des éco-gardes qui ont la spécialité, mais comme ces derniers ne sont pas autorisés à porter des armes, parce qu'ils n'ont pas la formation pour manipuler des armes, ils sont appuyés par des forces. Et donc, c'est cette coopération qui nous permet d'avoir l'efficacité attendue concernant la protection de notre défense verte, la protection contre le braconnage, la déforestation, en gros sur la protection de notre frontière au niveau de la forêt. Voilà, donc il s'agit bien d'une coopération entre les éco-gardes, les gendarmes et les militaires. Voilà, merci. Merci, monsieur. Thank you very much. Let me turn to our other participants here and ask them questions. Leila, in your paper on green defense, you put a lot of emphasis on European cooperation in solving this. And I wondered if you could explain what you mean by that and if our other panelists could say how they respond. Is this going to be solved by a collective European effort? And if so, what is the next step in that? Merci. Évidemment, c'est un point que nous avons largement développé, compte tenu de la question qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le dérèglement climatique et les questions environnementales. Une nation seule ne peut pas répondre et faire face à ces enjeux. Il est important pour nous, c'est une question que nous avons développée effectivement, de relayer cette question au niveau européen. Et d'ailleurs, nous portons l'Union, la défense européenne comme étant le levier le plus intéressant, le plus pertinent. L'Europe en a besoin, la France en a besoin, mais pas seulement le monde. Et d'ailleurs, ce matin, le ministre du Niger faisait aussi un appel à ses collègues de l'Afrique de l'Ouest pour impulser des dynamiques régionales. La question du dérèglement climatique et les questions environnementales d'une manière globale ne peuvent trouver un écho ou une solution qu'au niveau évidemment national, mais surtout régional et international. Et le levier européen est extraordinaire. L'Europe a un potentiel important. Nous avons encore beaucoup à faire sur cette question, mais c'est un levier qui nous semble plus que pertinent et que nous portons de toutes nos forces. Non. Domanda, perché noi, se posso, senta, Certo. parlo, ringrazio subito. Se posso ritornare a quello che stiamo facendo noi in Italia, che non ho detto prima, ma è un'esperienza che sto vivendo direttamente, che la difesa verde per noi è fondamentalmente anche un'attività legislativa. Cioè, nel senso che immaginare di poter produrre energia con il fotovoltaico, per esempio, quindi immaginare di poter impiantare nelle sedi militari
delle strutture che potessero servire non solo a produrre energia per le sedi militari ma anche per l'esterno, è stata una rivoluzione che ha comportato uno sforzo normativo enorme. Quindi nella parte che noi stiamo attivando nella concezione di un mondo militare ecologista che possa ridurre i consumi, abbiamo avuto difficoltà normative, perché per noi per tanti anni le sedi militari erano invalicabili e avevano una funzione esclusivamente legata alla difesa. E quindi questa parte sta diventando per noi molto importante, perché gli italiani ci stanno seguendo in questa nuova visione. Quindi perciò io ringraziamo il Ministro per aver organizzato questo dibattito, perché capita in un momento storico importante del nostro Paese, perché tutti siamo convinti che è indispensabile partecipare al miglioramento delle condizioni ambientali, e quindi la difesa deve fare la sua parte. Però in molti casi questo viene impedito dalle norme. Come pure stiamo riorganizzando l'assetto navale con un finanziamento importante sulla produzione di navi, immaginare di poter prevedere il combustibile misto al 50% di un prodotto naturale, anche in questo caso ha comportato un'attività normativa molto coraggiosa, perché poi i carburanti che devono essere reperiti per far muovere i navigli devono essere reperiti in tutto il mondo. Quindi il carburante non può essere reperito soltanto nelle parti del mare a ridosso dell'Italia. Quindi lì stiamo lavorando molto e speriamo che anche in Europa ci possa essere una mano da questo punto di vista, perché, ripeto, per noi è una rivoluzione. Il terzo esempio che vi ho fatto, quello che parla dell'uso delle piante per le bonifiche, questo è anche una curiosità, parte dai poligoni di tiro che noi abbiamo. Noi abbiamo dei poligoni in Italia molto importanti, specialmente nella parte sud del paese, e quindi poiché le esercitazioni per mantenere il personale addestrato comporta inevitabilmente un'idea di inquinamento, noi lì stiamo cercando di utilizzare questo nuovo modo di bonifica naturale, che sta anche in questo caso comportando una grossa rivoluzione. Quindi, come si diceva prima, è un approccio culturale, nel caso italiano è un approccio culturale che deve intervenire su modifiche importanti dal punto di vista della concezione delle attività militari. As you know well, Spain is a country that has a deficit of water. Not a deficit, I would say, but its rainfall is below most countries in the European Union, to put it this way. This means that we, just as other countries that have the same experience, we must manage the water in a more rigid way that other countries do. We are conscious of the richness that water means for all of us, and we try to take care of it in a very intense way. If you look at the level, at the volume of water, rainfall water in Spain, and you translate it or you take it to other countries more in the north, you would see that this reality is extreme sometimes. So this takes us to a reality where defense does also have to say, on the one hand, we have to take care of our own consumption. We have to make our defense, our armed forces, more efficient in the use of water. And when we talk of infrastructures to be protected, critical infrastructures, we also talk of water. This is not very common in some other countries of our surroundings, even though it is more in the south. If you go to international cooperation, we believe it has to be intensified, even though I have to recognize that in the area of the European Union, there are already quite a few directives that have very much to do with
industry related to pollution, air pollution, etc. We have seen some examples in the last few weeks or months when measures had to be taken related to some industries. And when you go to NATO, you could see that there are 5 standardization agreements that are related to protecting our ecological systems. I wouldn't go further than this, but only to say that, as it was said a minute ago, international cooperation is a must. I mean, to safeguard our ecology is absolutely impossible if it is done on a local, regional, or national level. It must be done at an international level, and we must, all of us, try to cooperate in it. I said a while ago that from the Ministries of Defense, we mainly try to make some damage control, but we also have to be proactive in trying to make the people conscious of the risks, security risks, that come directly from the lack of care to our systems, to our ecosystems. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons passer à vos questions SMS. Quelques-unes nous sont parvenues. Des questions sur le lien, la transition énergétique et le rôle des armées. Une autre question sur le rôle des biocarburants dans le fonctionnement des équipements de défense. Troisième question, quelle importance pour les critères environnementaux dans l'acquisition d'équipements de défense? Quels sont les efforts entrepris pour encourager l'industrie de défense à produire des solutions vertes? Monsieur Butler, je vous laisse répartir la parole pour les réponses parmi vos intervenants. Monsieur Alfano. No, io parto dall'ultima, quale può essere il contributo che può dare la difesa nel mondo ecologico. Io, per non ripetere i 3 esempi e per non parlare di ciò che stiamo facendo, noi abbiamo raggiunto grossi risultati dal punto di vista del risparmio del carburante, per esempio. Quindi quello è un esempio molto concreto di contributo che stiamo dando all'investimento per tutte le attività. Quindi credo che se qualcuno vuole sapere anche i dettagli sarebbe interessante poterli rendere disponibili, perché noi siamo orgogliosi di renderle pubblici questi risultati. Il fotovoltaico, per esempio, è anche un'altra attività. Noi abbiamo in Campania, la regione da cui provengo, l'impianto più importante d'Europa di produzione di energia elettrica con questo sistema. Ed è stata un'attività importante, perché ci tengo ad aggiungere che tutte le attività che facciamo mantengono in esercizio le sedi militari, cioè non parliamo sempre di sedi militari o di ambiente militare che rimane militare e non che viene destinato a produzione di energie, diciamo, indipendenti. Quindi sono tutte attività che rimangono in uso al mondo militare, che in aggiunta fanno questo. Questo è un esempio duale che sta producendo dei risultati importanti. If I may say, when you talk of energy efficiency in the army, in the armed forces, there is something obvious that I think we all think of. Being energy efficient means spending less. And this means having more possibilities for your armed forces. So armed forces that are more energy efficient have the possibility to be more armed forces efficient somehow. Merci beaucoup de vos réponses. Les micros circulent dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole? On va distribuer des micros, s'il vous plaît, mademoiselle, si l'on peut. Monsieur, je viens vers vous. Levez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous prendre la caméra. On ira vers vous, madame, ensuite au deuxième rang, et ensuite nous irons au troisième rang. D'accord. Hello, I'm going to speak in English. I'm Farid Yassin, the Iraqi ambassador to France. And the question I have to do, I'm going to ask, has to do with the impact of conflict on vegetation. During the Iran-Iraq war, something like 30 million palm dates, date palms, were destroyed.
That's almost three quarters of the tree cover in Iraq. Reforestation is one of the best ways for us to reduce our greenhouse gas emission gas emissions. Should there not be a measure, international measures, local measures, in post-conflict arrangements that should take into account the restoration of the vegetation? And restoration of vegetation is one way I read the title of this session. For me, green defense is also defense of the green. I'd like to add one more comment, if I may. Almost 20 years ago, I used to work for the Climate Change Secretariat, and I was involved in the preparations of COP2, COP3, and COP4. And I remember at the time, the only thing that had to do with anything military and climate change was the request by one of the global powers here present that the emissions of their armed forces outside of their national borders not be counted in their national emissions. And I'm glad to say that we have gone a long way since. Thank you. Merci, monsieur. On va faire glisser un micro, s'il vous plaît, à madame. Thank you very much. My name is Sharon McManus, and I am the Energy and Environmental Project Officer with the European Defence Agency. And I just want to address the question that the chair asked a moment ago about perhaps encouraging cooperation, certainly at a European level. And clearly, I am in quite a good position to perhaps comment on that. And if you'd indulge me, I can give you some thoughts on that area. So the European Defence Agency, as many of you will know, is an agency based in Brussels, which focuses very much on research and development activities. And one of the work strands is the Energy and Environmental Working Group, of which I chair. Now, whilst there's been a lot of work in this area over a number of years, this working group is quite young. It's just under 1 year old at this moment in time. But we have had a very productive and busy year, covering many aspects of energy in the European defence sphere, from biofuels to sustainable defence, to water management, as our colleague from Spain mentioned, the Green Fleet from the Italian Navy. We have been very familiar with that work. And just recently, in fact, last week, we have just installed energy management equipment and renewable energy sources in Camp Koulikoro, the European Union training camp in Mali. So where do we go in terms of cooperation? Well, the EDA is a perfect collaborative platform for the European member states. And all of the European member states present here today are represented in that working group and are all quite active to a certain to a larger or lesser extent, depending on the topic that's being discussed. So I want to just bring your attention to two things. The first thing is the ongoing work with the Energy and Environmental Working Group. And if anybody here is not familiar with the work that we do, the information can be found on the European Defence Agency website. But secondary to that, and because this roundtable is to do with green defence and looking at European defence infrastructure and buildings as a possible option for offsetting greenhouse gas emissions and offsetting energy usage in the military, I would also like to inform you about the European Commission-funded consultation forum, which will be taking place in 2016. This will be run by the European Defence Agency as the appropriate interlocutor between the defence community. It will be a funded consultation forum, and we will be specifically looking at renewable energy and energy efficiency in European defence activities, particularly in the domestic arena. If anyone would like any more information about this, I am available. And just before I finish, I would like to thank the organisers of this conference, especially for the excellent pitch of the conversation. Thank you. Thank you. Merci, madame. Admiral Guillot, je vous laisser la parole. Le micro est en route pour vous. Bien, merci. Bernard Rogette, je suis le chef d'état-major de la Marine nationale. Tout d'abord, je voudrais faire une observation. J'entends beaucoup parler au futur. Nous devrions faire des choses. Je tiens à vous signaler que nous avons commencé depuis longtemps à nous occuper
des phénomènes environnementaux. L'exemple de la marine italienne a été cité, je n'y reviendrai pas, mais je crois qu'il faut que dès que les projets sont mis en cours, en particulier dans le domaine naval, on prenne en compte la pression sur l'environnement qui est tout à fait importante. Et c'est ce que nous faisons avec la collaboration en France de la Direction générale de l'armement qui travaille beaucoup sur le sujet, qui nous aide beaucoup. Et désormais, nous appelons non plus la construction de navires, mais nous appelons l'éco-construction des navires, pour vous montrer ça, avec plusieurs objectifs, dont l'un est la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi le zéro rejet à la mer. Alors, cette dernière, c'est quelque chose que nous avons pris en compte, c'est quelque chose que nous devons continuer à développer. Je vous remercie, Madame Aichi, d'avoir bien voulu citer le passeport vert. Je crois que ça a été une avance, puisqu'on parle beaucoup des bateaux qui vivent, mais on parle peu des bateaux en déconstruction, ceux qui ont fini leur carrière dans la Marine nationale. Alors, j'ai entendu dire ça fait faire des économies. Ça peut coûter aussi. La déconstruction des bateaux, la déconstruction verte des bateaux coûte, il faut savoir l'accepter. Il faut savoir aussi l'anticiper en faisant en sorte, dès la déconstruction, que ces bateaux soient le moins cher possible à la déconstruction. Donc c'est vraiment un environnement. Alors, si vous le permettez, je voudrais, moi, changer de couleur. Le chef d'état-major des armées a dit tout à l'heure qu'on était marqué par son milieu. Bien sûr, moi, je suis marqué par celui des océans. J'ai la chance d'avoir, outre la France, 4 nations étrangères qui sont des grandes puissances maritimes. Et je voudrais donc passer de la défense verte à la défense bleue. Ouais. Et parler un peu des océans, parce que le réchauffement climatique, l'industrialisation humaine de plus en plus forte à la mer, crée des enjeux, crée des risques, crée des menaces. S'il y a bien un endroit où la coopération est nécessaire, c'est la mer. Les poissons n'ont pas de frontières, les pollutions non plus. Le réchauffement climatique n'a pas de frontières à la mer, et on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Moi, je voudrais profiter de vous avoir ici pour vous demander un peu quelle est votre analyse sur ces enjeux, ces risques, du réchauffement climatique, mais aussi de l'arrivée massive des industries à la mer sur notre planète. Merci, Amiral Rogel. La parole dans la salle. Madame, bonjour. Bonjour. My name is Susanne Michaelis. I work for NATO headquarters and I am point of contact for environment, climate change, energy efficiency, which at NATO we call NATO Smart Energy. In fact, in February 2014, the North Atlantic Council approved a framework called Green Defense. But there is not much enthusiasm among the allied countries to implement concrete steps for this framework, for example, policies or training, education or standards. We do have several standardization agreements on environmental protection, but they are not legally binding. They have to become a national legislation before they become legally binding for the military. So we have another problem now that several nations have great projects like the Green Fleet. I know very well the Green Fleet, also the co-directors, where you use biofuel to drop into the fuel for the navies. Similar projects exist for Sweden, for Canada, United States. Now, United States has targets as well, but we don't have a NATO standard on biofuel. We tried to bring it up in the Petroleum Committee, but so far we couldn't get any enthusiasm to get an agreement. And we are really risking the interoperability. The same is true for energy efficiency, especially as there are technologies, as the young men in the background said about an hour ago, from industries. The technologies are there. We actually implemented, integrated energy-efficient technologies, insulated tents, microgrids, solar panels, etc., in an exercise in June in Hungary, which was called Capable Logistician. And it does work. But what we really, really need is now standards so we can plug and play. And I was wondering how ministries of defense could bring into NATO a kind of political mandate that we, the IS and IMS, the international staff and international military staff, can start drafting STANAGs, standardization agreements, and put it in front of the nations for agreements. This is my question. Thank you. Shall we take some responses to those
set of questions. I don't expect everybody to answer every question. Sir. Monsieur le ministre italien, pour commencer. L'allarme l'avevo lanciato prima, l'allarme che sono le norme a contribuire a raggiungere l'obiettivo. La preoccupazione sono delle risorse che ogni norma deve essere accompagnata nel caso si prevede un investimento da una risorsa. In questo momento per noi tante volte le norme non vanno avanti né in Italia né nel promuoverle in Europa perché ovviamente si deve investire tanto, e quindi non dobbiamo fare in modo che la cosa poi diventi un cane, come si dice in Italia, un cane che si morde la coda. Quindi è fondamentale, è ovvio, rendere gli investimenti per migliorare l'ambiente una norma e non un fatto romantico, astratto. Poi voglio rispondere al primo intervento e poi chiudo. La difesa del verde, dare alla difesa anche la difesa del verde. In Italia c'è questa tendenza a far fare ai militari tutto, cioè la difesa diventa indispensabile per la protezione civile, per gli interventi necessari. Ci sono strutture molto organizzate che hanno come vocazione il verde. Noi abbiamo strutture regionali e nazionali che si interessano esclusivamente del verde. Quindi questo è un mio punto di vista personale. Ripristinare nei luoghi di guerra, di conflitto, il verde è fondamentale, però i soggetti, almeno per quanto ci riguarda, i soggetti non possono essere il mondo militare, ma chi ha questa vocazione. Merci. Monsieur le ministre espagnol. I was reflecting on the comments that I have heard. There is a question that is all the time there, present somehow. I hear the words European Union, I hear NATO. But when you talk of defense, you have to take into account that we live in a total globalized world in the sense that competition is open and that just as happens in industry, that measures taken to have a certain control of industries may have an impact on their possibilities of competing outside the region where these laws, where these directives might be present. In the case of defense, something similar happens. You have a budget. Out of this budget, you must reach results. We are under quite a budget stress nowadays, budget constraints, especially in some countries like mine. And you must have the same results than others that are somehow, in a way, this is in gross, competing with you. I think in NATO and in the European Union, we have up to now the advantage of having possibilities of cooperation among us that make us lead this process. But it is a process that has to be global, or else in the end it will not work. And in this competitive world of defense, which is related to sovereignty, this is easy said, but not so easily done. So we have a lot to do yet, and it has to go much further than those organizations. Here, many countries are present, and conferences like this one are the path that we should take to try to have better results. This kind of discussion has not, I mean, this kind of discussion is not long enough and is not mature enough to give results in the area of defense. But it is very important to continue with them. And this conference is in that sense something to be repeated, as it has been already, something to be studied, consequences to be taken from it, cooperation to be advanced from it, and results to be implemented later. We don't have all the time we would like to do so, but we have started, and I believe that results will come somehow in that competing global
world that we are living nowadays. Merci beaucoup. Dr. Sockert. Oui, merci. Je voudrais rebondir sur la question sur ce qu'on peut appeler la défense bleue. Le Gabon est particulièrement un pays côtier avec 850 km de côte. Et nous avons dans le cadre de la sécurisation de notre façade maritime, nous avons des actions de protection. Mais comme l'a dit le général de Villiers, les forces armées sont le bras armé des politiques. Et il y a toute une politique de protection de notre environnement maritime. Mais là, c'est une affaire de synergie, de coopération entre un certain nombre de départements. La marine marchande, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, en cas d'arraisonnement de bateaux ou de clandestins. Donc nous pensons que là aussi, il faille mener une réflexion globale sur ce problème de défense bleue. Donc le problème, il est réel. C'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur la défense verte. Peut-être faudra aussi, pour que la défense, parce qu'il n'y a pas de demi-sécurité, il n'y a pas de demi-défense, où on est en sécurité, où on ne l'est pas. Nous pensons que si on peut assurer une défense verte, on pourrait également, pour ceux qui sont des pays côtiers, prévoir une défense bleue également, c'est-à-dire la protection de la façade maritime avec tout ce que ça pourrait impliquer. Nous pensons qu'il faille effectivement mener des réflexions aussi à ce niveau-là. Merci. Thank you. I'd just like to pick up the question from the gentleman representing Iraq, because I thought it was a very serious point, and I agree entirely with the thrust of his question. I don't think it is just vegetation that we need to focus on. It's also the complex infrastructure that makes a society and a whole ecology work. I think in Iraq there are also serious problems of water and the things like the electricity grid. And I suspect, and I hope I'm wrong, that more damage is being done to them in some parts of the country now. And these are things that, if they're not in place, the whole structure of the economy, of employment, agriculture, can go very seriously wrong. I've been doing some work on what happened in Europe after the Second World War, and I'm fascinated by the extent to which the primary focus in the first years after the end of the conflict was on rebuilding the infrastructure to make sure that all those things could keep operating. My conclusion from that is that when it comes to conflict, but also when it comes to civil stress and all sorts of things short of open warfare, we need to actually return to the idea of nation building. Which is very unfashionable, which we've not got right over the last two or three decades. But I think if we want those societies to work and be peaceful and to avoid future conflicts, we have to be involved and to help them help themselves to get those things right. And so I very much support what you said. Leila. Merci. Quelques remarques sur l'ensemble des questions qui ont été posées en ce qui concerne l'Agence européenne de défense. Vous posez une question juste. À titre personnel, je pense qu'on devrait augmenter de manière significative, j'en profite du fait de la présence de ministres européens sur cette question, d'augmenter de manière significative le budget de l'Agence européenne de défense, qui est largement minime compte tenu du poids économique de l'Europe. Ça, c'est la première remarque. Un des plus grands leviers que nous pourrions avoir, justement, c'est la mutualisation des synergies européennes pour travailler sur la question, sur ces questions, justement, de transition écologique et énergétique de l'armée. Ça, c'est la première remarque. Ma deuxième remarque concerne la défense
bleue ou verte, dès lors qu'elle préserve l'environnement, me convient tout à fait. Simplement, sur le fait de revenir sur une rhétorique qui est souvent employée par les lobbies pro-pollution, c'est pas simplement de préserver la nature qui coûte de l'argent à la communauté et à la collectivité internationale, c'est le fait de ne pas en prendre soin qui nous coûte de l'argent. Et j'en veux pour preuve, à titre d'exemple, la commission d'enquête que nous avons faite au Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. La dégradation de notre environnement nous coûte plus cher que lorsqu'on cherche à la préserver. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on change de logiciel quand on appréhende la question de l'environnement. L'environnement ne doit pas être considéré comme étant une variable d'ajustement social ou économique. L'environnement doit être une question aujourd'hui intégrée, notamment en termes de questions de sécurité, ce qui me permet d'aller sur une autre interrogation. Comment se fait-il? Aujourd'hui, nous avons la COP21 qui arrivera sous peu à Paris, COP21, je rappelle, et jamais la question de la défense n'a été intégrée dans le cadre des différentes conférences sur le climat. Je pense que c'est une réflexion qu'on doit se poser tous ici, acteurs directs ou indirects de la question de défense. Il y a des émissions de gaz à effet de serre, le monde de la défense a potentiellement aussi des réponses et des solutions à apporter, faisant également partie d'un certain nombre de problèmes. Donc je pense qu'il faut, avancer de manière plus franche, plus forte sur ces questions qui nous concernent tous et dont on sait que l'enjeu concerne l'ensemble de notre population. Et je finirai sur le cas, monsieur l'ambassadeur d'Irak, sur l'exemple que vous avez développé sur la dramatique situation de votre pays, qui me touche particulièrement parce que justement c'est un point que nous avons développé dans le livre vert, et notamment sur le sujet des parcs pour la paix et des aires transfrontalières protégées. Tout simplement pour vous dire juste une petite anecdote. En fait, j'avais une militante écologiste qui avait été mobilisée il y a quelques années par des représentants de différentes religions en Syrie qui lui avaient demandé de les aider à venir à planter des oliviers. Elle était très interloquée en se disant « Mais pourquoi les Syriens me demandent, enfin une ONG française, de venir les aider à planter des oliviers? Ils n'ont pas besoin de notre savoir-faire, ils savent très bien faire cette plantation. » Et arrivé sur place, en fait, l'ensemble des religions, enfin des groupes représentant les religions de toutes tendances, s'étaient réunis, puisqu'à l'époque il n'était pas question de réunir des groupes politiques en Syrie, mais de réfléchir parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait une augmentation du trafic d'armes en Syrie. Et ils s'étaient dit, justement, les parcs pour la paix, comment faire en sorte, en contrepartie d'un désarmement, nous allons aider notre population à planter des armes. C'était le projet qu'ils avaient porté, malheureusement. Ils ont eu raison, ils s'y sont pris peut-être un peu tard, mais en tout cas, l'histoire nous a démontré qu'ils avaient raison. Et le sujet des parcs pour la paix, comme je le disais tout à l'heure, pourrait être travaillé d'une manière collective et internationale. Ça n'a de sens que si il a un statut juridique de droit international pour pouvoir être opérant sur l'ensemble de la planète, pourrait totalement être utilisé aussi bien pour prévenir les conflits, dès lors qu'on observe que dans une donnée, enfin dans une contrée particulière de la planète, il y a une exacerbation sur les tensions environnementales ou une exacerbation de conflits potentiels entre populations pour différentes raisons, de trouver les voies et moyens d'apaiser ces populations, mais également d'utiliser cet outil pour assurer le post-conflit et de trouver les voies et moyens et de construire aussi, pendant la guerre, de construire les passerelles pour demain et d'assurer la paix. Donc je pense que je ne pensais pas que vous me donneriez l'occasion de redévelopper cette question. J'invite la communauté internationale à réfléchir sur ce sujet qui est assez peu développé. Il doit y en avoir à peu près 200 dans le monde. C'est typiquement les parcs pour la paix. On pourrait dépliquer amiral au niveau des océans, considérer que certaines zones au niveau des océans pourraient être protégées de par la particularité de la biodiversité à respecter, mais également pourrait dupliquer la protection de ces parcs sur certaines contrées de la planète pour la protection de la biodiversité, mais pas seulement, et des populations. Et ça pourrait être un levier intéressant, un lieu de dialogue qui nous manque cruellement. Merci. Merci, Madame la Sénatrice. On va revenir dans la salle avant le retour de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense français. Monsieur. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Pardonnez-moi, on va laisser la parole, monsieur, juste derrière vous, et puis ensuite, je viendrai au rang devant. Bonsoir, Denis Fourmeau, ministère de l'écologie. Ma question s'adresse surtout à Madame Aichi, mais éventuellement, les autres participants pourront également répondre. Dans les années 80, la France avait théorisé le concept de droit d'ingérence humanitaire. Madame la sénatrice, seriez-vous favorable, sur le même modèle, à un droit d'ingérence environnementale, voire à la création d'une force de casque vert? Les casques verts, ça me séduit beaucoup. L'ingérence, pas nécessairement. Je suis une
Je pense que le meilleur levier, c'est justement d'assurer une protection internationale, et notamment, on est dans un contexte assez complexe au niveau des relations internationales, c'est d'assurer le respect du droit. Et je pense que le levier, notamment des Nations Unies, du droit international, de faire en sorte que nous puissions en appliquer scrupuleusement les résolutions, parce que devant, j'espère que nous n'arriverons pas vers des catastrophes que certains nous prévoient, il reste encore le rempart du droit qu'il est impératif de respecter. Un droit d'ingérence en dehors du droit international, non, je n'y adhère pas. En revanche, de travailler sur des casques verts ou des casques bleus qui protégeraient la nature, c'est un sujet que nous avons développé, nous autres, en tant qu'écologistes. Monsieur de Rondevent, s'il vous plaît, ou est-ce que vous souhaitez enchaîner sur d'autres réponses ? Pardon, oui. Excusez-moi, bonjour. Olivier Dabels. Levez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir. Merci. Je vais peut-être, pour en fin de compte, retourner un petit peu la question qu'on vient d'entendre. Dans quelle mesure on courrait pas le risque d'une prise en otage de la question du climat dans les constructions de stratégies militaires qui pourraient venir en contradiction les unes avec les autres. Je pense notamment au cas de l'Arctique, par exemple, où chacun, on sait que la Russie a une stratégie de développement propre, que le Canada a la sienne, que les États-Unis, enfin que les États riverains ont la leur, et à chaque fois, à un moment ou à un autre, on voit venir la question de « oui, mais c'est pour protéger l'environnement, oui, mais c'est pour protéger le climat ». Et on peut courir le risque, d'une certaine manière, de voir certains pays qui se disent « mais si pour moi le climat est une question de sécurité nationale, à ce moment-là, telle ou telle région m'intéresse », et voir en fin de compte des intérêts qui viennent se confronter, être contradictoires au nom du climat. Dans quelle mesure on court ce risque et quelles seraient les solutions pour parer à ce type de situation ? Would anybody like to? Moi, je pense que le risque, c'est de surtout pas en parler déjà. Une des premières approches, c'est évidemment d'aborder la question du dérèglement climatique sous le prisme de la sécurité et particulièrement sous l'angle de l'écologiste que je suis, puisque nous portons le fait que nous devons tous collectivement, la communauté nationale française, européenne, mais la communauté internationale dans sa globalité, réfléchir à une transition écologique et énergétique de notre société. Il est impératif qu'on réfléchisse différemment et qu'on impulse ces différentes dynamiques. On est dans des demandes exponentielles, croissantes, en termes de consommation, dans un monde qui est fini. C'est pas durable. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Soit on a l'intelligence collective et de réfléchir ensemble à un modèle de transition qui nous permettre de vivre tous en paix, soit on va dans le mur. Donc je pense que déjà la première chose, c'est justement d'en débattre et d'échanger, toujours, échanger, débattre, faire avancer ces questions. C'est dans la confrontation d'idées qu'on fait avancer les choses et j'espère qu'on aura la sagesse collective d'aller dans le bon sens. Merci Madame la Sénatrice. Monsieur, votre question ? Je suis le lieutenant colonel Hache, j'appartiens au service infrastructure de la défense et je sers au centre référent performance énergétique et en tant que tel, on s'occupe de la performance énergétique des bâtiments du ministère de la Défense. Donc ça représente une toute petite partie des consommations énergétiques de la défense, mais 300 millions d'euros quand même. Par ailleurs, au centre référent, on a expérimenté quelque chose qui n'est pas très nouveau, ça s'appelle le management de l'énergie. Et en essayant cette façon de faire, les questions qu'on se pose, c'est quels objectifs je me fixe, comment je contrôle les objectifs que je me suis fixés, et quand je n'ai pas réussi à les atteindre, comment je fais pour y arriver. Je voudrais faire le parallèle aux objectifs que les États s'étaient engagés à respecter en 1992 lors de Kyoto, et qui, selon mes informations, n'ont pas été atteints aujourd'hui. Vous avez fait part du risque de murs qu'on va rencontrer dans peu de temps. Je parlais plutôt d'effondrement, parce que le jour où le système ne sera plus alimenté, la machine tournera à vide et ça ne marchera plus bien. Donc aujourd'hui, quels seront les objectifs, comme l'a dit Nicolas Hulot, que les armées peuvent se fixer à elles-mêmes,
dans le cadre national. Et ensuite, quels sont les moyens qu'elles sont prêtes à se donner, et donc l'État, puisque c'est avec de l'argent public, pour y arriver. Io chiaramente dico che nel ringraziare chi ha voluto, il ministro di fronte a me, questo incontro, io dico che stiamo parlando di ambiente e di mondo militare. Siamo già abbastanza avanti rispetto a quella, almeno parlo dell'esperienza italiana, questo è un grosso passo avanti. E quindi la preoccupazione che possiamo vivere noi è quella di pretendere troppo dal mondo militare rispetto alle politiche complessive dell'ambiente. Noi abbiamo fatto grossi passi avanti, ma abbiamo dovuto scontare anche chi si dichiarava competente per natura, ministro dell'ambiente, soggetti diversi. Quindi noi per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento come attori, per quanto riguarda la prevenzione, per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda la produzione di energia alternativa, noi come mondo militare abbiamo fatto tantissimo. Il rischio è quello di voler fare più di quanto possiamo, sapendo che ci contestano, questo è quando riguarda l'Italia, a volte l'incapacità a fare ciò che rientra nelle vostre funzioni istituzionali, perché è ovvio che essendo un mondo complesso la difesa deve avere anche degli obiettivi che rientrano nelle sue funzioni. Quindi io ritengo che non bisogna accontentarsi, però essere attenti nel non caricare troppo il mondo militare di qualcosa che va tenuto presente, perché deve coinvolgere tutti. E tra l'altro per noi è diventato importante e con ottimi risultati. Nel mondo degli immobili, lo dicevo prima, noi tutti gli immobili stiamo attrezzando con produzione di energia alternativa, tutti, rimanendoli beni militari. Quindi far entrare nelle caserme, nelle sedi militari degli imprenditori o dei soggetti che hanno attività privatistiche, commerciali, non è facile. Quindi io dico, accontentiamoci di quello che stiamo facendo, ma non perché deve essere quello l'obiettivo, ma deve essere comunque una partenza rispetto agli altri che, per quanto riguarda la nostra organizzazione, hanno una funzione specifica sull'ambiente. No, thank you very much. I think we now have one final short question. Yes. La dernière question par SMS pour vous, Madame la Sénatrice. Qu'est-ce que vous attendez de cette COP21? Qu'est-ce que j'attends de cette COP21? Bah, tout simplement que cette réunion ait lieu dans le cadre de la COP21. Enfin, c'est trop tard là pour celle-ci, mais j'espère que ce sera l'occasion de pouvoir aborder cette question dans les prochaines conférences internationales sur les climats. Et j'espère que nous ferons preuve de sagesse collective pour aller dans le bon sens. Merci. Merci, Madame la Sénatrice. Monsieur Bettler, merci beaucoup. Can I just thank all the panel for a very good discussion? We now move on. Monsieur Ledrin. Merci beaucoup de vos interventions. Merci à tous les cinq.